De là où le vent est en baisse ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous, et bon lundi et bonjour. On commence la journée avec un temps qui est variable à couvert, en train de se recouvrir, ça se dégrade. La température extérieure est à 9 degrés, la température de l'eau est à 13 degrés. Cet après-midi, un temps couvert à pluvieux, avec une température extérieure attendue dans les 11 degrés. Nous sommes sur une marée qui est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à midi 15, des coefficients de grande marée 101. Le vent est onshore par le nord-ouest, il est modéré à soutenu. Il y a trois beaux forts établis, des rafales à 4 ridées. Clapot, le plan d'eau au bord. Clapot, quelques moutons sur le large. Les phases de vagues sont ridées. Là où il est agité, multipique, longue avec 12 secondes de période orientée. Ouest, nord-ouest à ouest, elle est à la baisse, relevée à minuit sur la bouée Arcachon-Gascogne à 4,40 m et 9 secondes. Et là, on a vu les grosses séries, il y a un déferlement à la côte qui est régulier à la hauteur de 2 mètres, séries qui rentrent fréquemment à 2,50 et donc ces grosses séries à la hauteur de 2,80. C'est désordonné, c'est agité, mais beaucoup moins que les précédentes journées. Mais ça reste pas forcément praticable avec un courant latéral nord-sud qui est très marqué. L'évolution pour le reste de la journée, au dernier check, la bouée Arcachon-Gascogne était à la baisse à 3,40 et 8 secondes. Ça va baisser pour le reste de la journée à la côte. Pour ce qui est du vent, il devrait se renforcer au sud à la mi-journée, puis passer onshore et se lever encore plus cet après-midi. Les prévisions à 13h, c'est 2 mètres, 2 mètres 50, ou d'ouest-nord-ouest à ouest avec 12 secondes de période, vont de sud-sud-ouest à 4 Beaufort, et à 17h, 2 m30, ou d'ouest-nord-ouest à ouest, avec 11 secondes de période, vont ouest-sud-ouest, 5 à 6 Beaufort, pas de surf et pas d'action, et cela même avec de la mobilité. Prochain point, 11h30. De là où l'on